Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce dimanche matin pour commémorer la résurrection de notre Seigneur, Sauveur, Roi Jésus. Alors que c'est un jour glorieux que nous disons à tous, allons-y à la maison de l'Éternel où il y a paix. Parce que dans ce monde, il n'y a pas la paix. Nous avons vu combien que les ONI nous ont menti avec toutes leurs organisations qu'ils ont fondées, formées. Ça a failli complètement. Ils n'ont pas pu ramener la paix dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu et ils ont fait l'alliance avec Lucifer. Et c'est ce qui a fait en sorte que non, quand une créature abandonne le Créateur pour s'abandonner ou mettre sa confiance, sa puissance, tout sur une autre créature, bien sûr angélique, mais c'est une créature aussi. C'est ce qui fait en sorte que non, tout ce que cet homme-là va faire, tout ce que ces humains-là feront, failliront toujours. Et ils n'auront pas la paix. Vous comprenez? Donc, c'est la chose que nous sommes venus encore parler ce dimanche matin, par la disposition dont le Seigneur nous en a accordé. Parce que les hommes, aujourd'hui, ils ont mis leur confiance dans des hommes, dans des organisations faites par des hommes, par des dénominations faites des hommes, des credos, des dogmes, toutes ces choses de loge faites par des hommes. Mais ces hommes-là ont été conduits par une autre créature qui est un peu plus élevée. Vous comprenez, c'est celui qu'on appelait autrefois dans les ciels Lucifer. Et nous avons compris que non, en lisant Apocalypse chapitre 12, la Bible avait dit clairement que malheur à la terre. Vous voyez? Donc cela veut dire, quand vous vous attendez la paix avec les organisations mondiales, Tobosa. Est-ce que vous comprenez? Donc, Wana, Tobosa na yango, Kimia, si ici, ce qui awa, toujours au kimia dans koloté, tu es baké non, tu sangis sinkolo, na Satan. C'est ça l'âge à laquelle que nous vivons. Vous comprenez? Vous avez vu que non, au début de cet âge-là, et les gens ont dit à notre Seigneur, ils ont dit ouvertement. Donc, nous nous sommes enrichis, nous avons besoin de rien. Donc, nous n'avons pas besoin de toi. Mais ce que nous en avons besoin, c'est simplement avoir ton nom. Et par ton nom, nous serons capables de contrôler les gens. C'est pourquoi nous avons vu que toutes les organisations, même les banquiers qui dirigent le monde entier, nous allons parler de tout ça dans ce chapitre que nous avons débuté aujourd'hui. Vous comprenez? Surtout va profiter de la confiance et de la chrétienté. Donc, cela veut dire qu'ils ont profité de la confiance que les gens donnent au Créateur. Et par là, ils se sont arrivés à détruire leurs semblables et à faire en sorte que les semblables ne dépendent pas. Vous comprenez à cause de quoi? Parce que quand ils ont pris l'autonomie, donc cela veut dire. Que dirais-je? Les mots m'échappent là-bas. Donc, ça veut dire quand ils ont pris le contrôle, si je peux dire. Voilà. Quand ils ont pris le contrôle de toutes les banques. Vous voyez, d'abord, ce sont eux, les financiers, qui contrôlent les banques. Ce sont eux. Donc, ça veut dire les banques créent des monnaies. Ce sont des gouvernements qui créent des monnaies. Mais ce sont eux qui contrôlent tout ça. Et ce sont ces gens-là qui ont amené le culte d'adoration dont les gens, ils ont rejeté les créateurs pour adorer les créatures, mais en disant que nous croyons aux créateurs. Donc, cela veut dire quoi? C'est ce que nous avons dit le dimanche passé, donc de prendre la lumière et les ténèbres, de vivre avec les deux ensemble. Alors que Dieu, au commencement, il a divisé, il a fait la part des choses. Il a dit que les ténèbres restent la nuit, ça la journée. C'est la même chose dans les spiritualités. Vous voyez? Donc, ça veut dire aujourd'hui dans la spiritualité, c'est que nous insistons ici sur la compromis à la parole de Dieu
C'est ce qui fait en sorte que bato ba zolo ba keno baza na nkolo bandi mabanzambe mais. Donc quand on dit ces mains là, sotoke na grammaire, ça veut dire comme une conjonction d'opposition. Ça s'oppose à la première phrase qui dit que non, il croit en Dieu. Nzamba za moko mais. Foto yeba que non. Nzambe wa yebisaki nkolo Yesu. Autrefois, le créature qui vient pour dominer aux autres créatures, donc ça veut dire Lucifer, Satan, autobengi diable, voyez, donc Satan veut dire l'adversaire, diable veut dire le diviseur. Vous comprenez? Donc, tant où il y a Akiti, tout le monde a dit tant qu'on connaît, soyez, que quand Jésus était venu, il a dit ouvertement à Jésus, sans mancher de mots. Vous comprenez? Que non. Voilà où le monde est. Et le Seigneur, il a tout refusé parce qu'il savait que non, ça lui appartient. Il a pris ça frauduleusement en séduisant le Fils de Dieu, vous comprenez, dans les jardins d'Éden. Et ils étaient chassés du jardin, ils se sont retrouvés en Éden. Ouais, et c'est ce qui a fait en sorte que la mort a pris place, la paix a quitté, mais le fils et la fille de Dieu qui reste dans la parole, la paix du Seigneur est en le shalom. Ouais, parce qu'ils vivent dans cette ville-là où lui est Seigneur, eux sauveur. Ouais, il est Seigneur, eux roi. Il est Seigneur, eux époux, ou dans cette ville-là. Qui est Jérusalem. Donc nous ne parlons pas simplement de cette Jérusalem en Israël, mais quand je parle de cette Jérusalem, comprenez. Donc ça veut dire c'est lui qui est le roi de Salem, Melchizedek. Donc ça veut dire le roi de paix. Voilà. Dans toutes ces choses dont nous sommes en train de parler ici, nous nous basons sur les mystères du Seigneur Jésus-Christ qui l'avait gardé et pour le temps de la fin, enfin que son septième ange, parmi les anges du mystère de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, voilà. Donc ça veut dire qu'il représentait les sept étoiles de chaque chandelier, qu'ils étaient sept chandeliers qui représentaient les sept églises. Vous comprenez? Alors que les gens, sans la révélation, disent que c'était des églises d'Asie. Oui, bien sûr, ça a commencé là-bas, mais c'est terminé. Et ici, dans l'église, il y a Souka, il y a Tango, Togo, Bika, l'église, il y a Laodicée. Il y a un colo, il y a un poète, Aya. Il y a un mystère, il y a Awa. Et parmi ces mystères, vous allez voir que non, nous allons parler la dernière qui sera le point capital que nous sommes venus parler ce dimanche ici. Vous comprenez? Donc, si nous ne comprenons pas, si nous ne nous basons pas sur ces mystères ici que le Seigneur a voyé son septième ange, son dernier ange, sa dernière étoile dans ce temps de la fin, qui est un messager prophète pour nous enseigner à ce qui concerne ce temps à laquelle nous vivons, afin que nous puissions sortir de toutes ces organisations que je viens de citer ici, sache-le que nous sommes des perdus. Parce qu'on n'attendait pas ces jours-là. C'est maintenant que vous devez être, vous devez posséder, il devait être en vous. Vous devez lui ressembler. Vous comprenez? Donc, si vous n'avez pas encore revêtu son image, sa ressemblance, sachez-le que vous êtes un animal. Les Écritures disent ça clair. Souvenez-vous, Jésus avait dit, allez, dis à ce renard. Vous voyez? Donc, il disait ça d'une manière, donc cela veut dire comme s'il est en train de faire de blagues et les disciples étaient en train de sourire, mais c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il ressemble à un animal. Vous voyez ce que les gens font aujourd'hui. Donc, c'est ce que nous allons d'abord débuter à citer ces mystères ici. Et puis en citant chaque mystère que nous sommes en train de citer ici, que le septième ange, prophète, messager, élit les prophètes de Malachie 4, 1 à 6, mais
Ça veut dire que nous nous basons en parlant de lui de 5 à 6. Mais en commençant au verset même 1, ça parle toujours de ce que cet Élie-là est venir et ce qu'il peut accorder aux enfants de Dieu. Ça veut dire aux fils et des filles de Dieu. Vous comprenez? Et qui comprendront son ministère. Voilà. Donc le ministère de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce temps de la fin. Et il a envoyé Élie les prophètes. Et ce messager prophète, quand il est venu pour révéler ses mystères. Ici. Et ces mystères ici, ce sont des mystères scellés de cette sur ce livre que le Seigneur descendait avec dans l'Apocalypse chapitre 10 dans sa seconde venue. C'est pourquoi vous voyez les gens sont dans le tâtonnement disant Jésus est venu, il n'est pas encore venu, il viendra ainsi de suite. Mais nous nous disons tout court, Jésus est déjà venu. Vous comprenez? Parce que si vous ne l'avez pas vu aujourd'hui, ce qui n'a pas mon incolo l'éloté, l'obitant aouya au monaïti. Vous comprenez? C'est pourquoi l'histoire, très souvent, elle se répète. Ba pharisien a ba scribe, ba zaragi na temple. Ba zaragi banganga, yanzambe. Ba ose la nzambe na b'église, loka batle, ba ose la nzambe lelo na b'église, yaminene, loka neti nengeza na ba Congo, na ba Cameroun, na ba Nigeria, vous aux États-Unis d'Amérique. Les gens, ils étaient comme ça. Mais, quand l'auteur de la parole, quand le chef de cette église, de ce temple-là est venu, ils l'ont traité Belzébuth. À cause de quoi? Parce que ils n'ont pas reçu quand il était venu dans la chair humaine. Autrefois, ils ont préféré de prendre les commandements de Moïse, mais ils ont rejeté Moïse. Les prophètes. Et tout ce que les prophètes ont dit, et ils les ont rejetés. C'est pourquoi Étienne parle dans Acte 7. Il a dit, c'est vous qui crucifiez les prophètes. C'est que vos pères l'ont été, vous l'êtes aussi. Il disait, Acte chapitre 7, quand ils persécutaient les chrétiens et ils cherchaient à tuer Étienne. Et Étienne n'avait pas peur. Il parlait ouvertement comme ça. Donc l'histoire, très souvent, elle se répète. Ils viennent pour nous montrer que non, ce sont eux, ils ont l'apparence de la piété, de Timothée chapitre 3, mais reniant ce qui en fait la force. Quoi? La révélation dont les prophètes amènent. Et si vous avez reconnu ce que le prophète, parce que ce Seigneur a dit, tout va disparaître, mais ce que les prophètes ont annoncé, ça ne disparaîtra jamais. Matthieu chapitre 5. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pourquoi il envoie toujours un ange. Il envoie toujours un prophète majeur pour préparer son peuple. Ouais, pour sonner de la trompette comme ça était dans l'Ancien Testament. Le col les alaki na kondi malanaka. Kolo abanaki toujours kotinda. Moi j'ai naie otogobenga ba prophète majeur comme Moïse, comme vous voyez. Bango ba yoya ba kobeta kelelo. Quand quel est le bétami? Batobayo qui ango balobi a tebo. Sutozana no atomoni ke no tozalana no nzambaza bolingo, tozo vivre nakati a grâce. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait en sorte que non, quand il viendra, vous ne le verrez pas. Parce que quand il a envoyé les messagers ici, c'est pour préparer un peuple de quitter cet âge mauvais d'Apocalypse chapitre 3, 14 à 21. C'est pourquoi nous venons insister ici. On était censé de parler de d'autres choses. On était censé de parler à la manière de Dieu. Parce que Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous comprenez? Des gens qui sont devenus de Dieu, qui ont revêtu l'image de Dieu, qui ont abandonné l'image animale. Bato babwa ki bomoto nyama. Vous comprenez? Par la repentance, sur les trois étapes de la grâce, la sanctification par l'écoute de la parole pure et en arrivant jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez? La mort en soi-même, quelqu'un que vous pouvez venir aujourd'hui lui dire que non, l'apôtre Paul est mort, frère Branham est mort. Non, ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient déjà morts. Vous comprenez? Parce qu'ils étaient déjà morts. Quand est-ce qu'ils étaient déjà morts? Parce qu'ils étaient avant qu'ils puissent avoir la mort physique.
Vous comprenez? Donc, ça veut dire quitter ces codes ici pour accomplir la loi de l'Éternel. C'est que nous n'avons pas parlé quand on parlait de l'enlèvement ici. Oui, laisse-moi profiter, parler de ça, parce qu'on parlait de ça avec une sœur. Oui, donc, elle avait gardé la conception de leur église et parlé des choses de la manière que l'homme leur avait dit. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas comme ça. Voyons, non, mais non, nous ne pouvons pas parler encore de ça. Nous devons, parce que vous allez avancer comment? L'histoire, très souvent, elle se répète. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sauf à ça, les mêmes. Il se cache, se révèle dans la simplicité. Ça veut dire, il prend toujours un homme. C'est la raison pour laquelle a créé Kimoto. Et na katikati na batonyonso, il a dit que non, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a le don de prophétie, moi l'Éternel, je parlerai. Il a dit quelqu'un, pas tous. Dieu parle qu'à un seul prophète majeur, Natango Mogoboye, na âge Mogoboye to, et na génération Mogoboye. Atakei, batoso babiki lilobawana te babwa kinzambe. Nous avons vu combien est-ce que les gens qui n'ont pas écouté Dieu, Moïse, ils ont péri dans les déserts. Les 40 ans, c'était pour que cette génération des incrédules puisse mourir là-bas, ne puisse pas hériter le pays de la promesse, parce qu'ils ont tourmenté l'esprit de Moïse. Jusqu'à tel point qu'il a frappé deux fois et l'Éternel a dit, retourne, rentre à la maison. Vous comprenez? C'était à cause de David, le dit là-bas. Ouais. Mais cette nouvelle génération qui était née, ils ont hérité le pays de la promesse avec Josué et Caleb. C'est pourquoi quand quelqu'un vient nous dire ici que non, frère Branham est mort, quelqu'un vient nous dire ici, l'apôtre Paul est mort, Irénée est mort, Wesley est mort, Colomba est mort, nous n'allons pas te croire. Tu es un menteur, tu ne connais pas la parole de Dieu et tu es mal assis. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que tu n'es pas encore enseigné. Tu ne connais rien de Dieu. Le nom de Jésus que tu cites, c'est la prostitution spirituelle. Vous comprenez? De cet âge mauvais. Voilà. Parce que ces gens-là que vous vous disiez qu'ils sont morts, ils étaient déjà morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé leurs trois étapes de la grâce. Et après la sanctification, qui est la seconde étape de la grâce, oui, donc ça veut dire qu'ils étaient d'abord morts en Christ. Ils ont abandonné tout ce qui dominait sur eux, tout ce qui les accusait. Oui, donc tout ce qui faisait que non, le malin avec ses anges, avec les hommes qui s'incarnent des esprits des anges dessus, qui viennent toujours dire, nous accuser, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais ces gens-là, il n'y avait rien à les condamner, comme Jésus disait aux pharisiens. Pouvez-vous me condamner du péché? Donc, ça veut dire qu'ils avaient bien interprété la parole de Dieu et ils ont vu une vie de sainteté et de piété conformément à la parole, pas par l'apparence, comme ceux des amphithéâtres font. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pourquoi ce sont des gens qui étaient déjà morts. Ouais. Donc, ils sont morts en Christ et ils sont nés en Christ. Donc, voilà la nouvelle naissance. Ils ont abandonné l'homme ancien. Ils se sont nés en Christ et Jésus. Ouais. Et maintenant, ils ont hérité le royaume qui est le baptême du Saint-Esprit jusqu'à voir. Nous avons vu que le Saint-Prophète de Dieu, il a reçu la plénitude de Christ, la plénitude de Dieu. Vous comprenez? Donc, il est devenu Dieu. Vous comprenez? C'est ce que nous devons parler ici, comme je viens de dire ici. Nous devons nous tenir ici, parler avec le Dieu, parler avec le Fils, prophète. Mais les gens sont encore loin. À cause de quoi? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur les organisations au lieu d'avoir le Dieu fixé vers Christ. Au lieu d'avoir les yeux fixés vers la croix. Voilà l'égarement. Et quand on leur dit ça, ces choses-là, c'est le diable qui les a suscité toutes ces organisations afin que chacun puisse prendre position non à la parole, non à Jésus, mais prendre position à ces organisations-là
qui viennent avec différentes confessions doctrinales. C'est ce qui égare l'homme de son créateur. Et nous avons vu que cela a commencé depuis des temps anciens. Les gens des nations, ils étaient toujours comme ça. Et même, ils ont même ramené Israël à commettre des choses à leur manière. Quand l'Israël s'est permis à se marier avec des femmes, des gens des nations, c'est pourquoi l'Éternel ne voulait pas ce que non, l'Israël, le juste, puisse se marier avec les gens des nations qui étaient des païens, des gens dépourvus. Mais nous avons vu que Christ est venu. La paix, elle est prise. Il a envoyé son messager. Les gens ont crucifié ce messager. Ils l'ont rejeté. C'est ça la crucifixion. Rejeter ce que cet homme-là est venu dire. Rejeter ce que Christ est venu nous dire. C'est ça la crucifixion. Comme nous avons dit toujours que non, c'est crucifier Jésus de nouveau. Ouais. Et nous avons vu que les gens l'ont crucifié les paroles que cet homme-là est venu nous dire, nous enseigner. Alors il n'a pas parlé de sa part, il a parlé de la part du Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'il est la bouche autorisée de Dieu dans ces temps comme Moïse avec les enfants d'Israël autrefois. Et nous, les gens des nations, quand Dieu a commencé à traiter avec nous, les gens ont fait comme d'habitude. Vous comprenez? Comme avec nos ancêtres. Avec plusieurs dieux. Toujours mélanger Dieu avec maman. Toujours en disant oui, Nzambazali, mais. Alors, mon culio, il faut yébayango. Donc, il faut. Soyangote simbate. Vous comprenez? Donc, il faut. Komona, il faut aux anamis soit mon limo. Voilà tout ce que les gens disent. Si vous n'avez pas au côté à Wate, au Fungoli à Wate, au Béti à Wate, au Yoki Koto Wate, et bien que au Simbati. Donc, rien ne va marcher. C'est ça l'état spirituel que les gens parlent. Le Seigneur veut dire, vous croyez que Dieu est là, mais il est trop lent. Donc, c'est ce que les diables disent avec ses anges. Il est trop lent à réagir, trop lent à exaucer, trop lent à secourir, trop lent, trop lent. C'est ce qu'ils disent. Vous comprenez? Alors, nous devons quand même aller chez l'autre Dieu-là. Bien sûr qu'il n'est qu'une créature, mais c'est lui qui a tout ici. Donc, ça veut dire, si vous en avez, si vous avez lui, donc cela veut dire, vous aurez la réponse. Plus vite. Et c'est ce qui se passe aussi. Et il avait dit ça à Jésus. Mais, le Seigneur avait dit, les élus ne seront jamais séduits. Pourquoi? Parce que les élus d'aujourd'hui, bah, au téléman, bah, mystère, tous autant, oui. Ce qui peut recevoir révélation, n'en goûte, au kokoya, à tout salindengenini, au komatana bangomba, au vivre vie à sanctification, au outia, on a justification, comme la sanctification, au télémawana, au koufate. Pourtant, au téléman, la sanctification, sanctification, et même à ma cabo, n'a pas gêne, n'a pas prière, et ben, n'a pas ma cabo. Tiadolo, bah, on a lingala. Vous comprenez? Parce que peut-être étant toujours le bangon en français, ça minora pas. Tout le banan noir en lingala. Au monitant au ken en gombozo salabagène. Aux ogobonde là, tout ça ainsi de suite, au vivre une vie de sanctification. Moto wane me maramakabo. Vous comprenez, je répandrai de mon esprit à toutes chairs. Donc ça veut dire l'esprit là, ce n'est pas lui-même l'éternel, mais c'est juste l'onction. Vous comprenez? L'onction de son esprit, lui, l'esprit éternel. Il envoie cette onction. Alors, quand Dieu envoie cette bénédiction, c'est la pluie. D'abord, remarquez le prophète. Donc, Joël avait dit ça. On s'accolait Joël à l'obé. A rotina moula. Y a makabo. Zomona. Donc, à toutes chères, n'a batonio soto bazaye na nzoto na mosu. Tout moni, balasima tolo kadiao. Batona mayele, batona science. Bazui oya bango, ba salim. Ba vion, ba sali bilo wa nenge na nenge, ba keli ba masua, so wakoti masua, ezana ba sancer na kati ainsi de suite. Vous voyez? Ezana vimo wo luxe, jamais vu. Ozo mona. Donc, ça veut dire, to moni boni ba tona mayele ba sali. Tango ye na église, ba to ya église, tango ba komia la sanctification, ba mati, ba ngomba, ba sali, ba jeûne et prière, et toutes ces choses-là, et memi va wana spirituel. Oui. C'est la promesse de l'Éternel. C'est lui qui bénit. Ouais. Donc ça veut dire, yende motapambola. Il faut atteindre.
tangwa tindi poeta mona ki batonyo so baole na tangu batawole na kate langa wana batamabe basangana na batamalambi ya mwana toba ke non livre eux le bleu oso mona na kate langa wana. Alors quand il pleurait, il a envoyé la bénédiction parce que il avait prononcé la parole à son serviteur Joël, les prophètes. Il devait accomplir cela. Et quand cela descend, si vous n'avancez pas dans la pyramide que nous allons parler dans ce chapitre et que nous avons débuté aujourd'hui, si vous n'avancez pas que la tête de votre pyramide puisse être coiffée, afin que lui puisse descendre, alors que la tête de la pyramide se coiffe juste quand vous mourrez, la mort en soi-même. C'est comme l'Israël. Leur marche, c'est notre marche. Parce que eux, c'est l'Israël physique. Ouais, nous, c'est spirituel, en Christ. Ouais. Donc, ça veut dire, tant que vous commencez à Kadesh Barnea, après leur prière de repentance, de jeûne et ainsi de suite, ils ont passé le Jourdain de la mort pour hériter le pays de la promesse qui représente le baptême du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas posséder là-bas si vous n'avez pas passé ici. Et nous avons vu que beaucoup de gens, ils pensent arriver déjà au pays de la promesse. Il y a déjà le miel, le lait, le pays qui coule, le lait et le miel. Non. Ils sont toujours ici, ils n'ont même pas traversé le Jourdain. À cause de quoi? Parce que tango, vanwana yabadon et yaka. Après les jeûnes et les prières, ainsi de suite, avec une vie de sanctification, abandonner la bière, l'alcool, le femme, et toutes ces choses-là, vanwane koya. Tango, vanwane yaka. Et même à la popularité. Et quand ce vent-là amène la popularité, si vous n'êtes pas prudent, comme le Seigneur autrefois, il a fait le miracle. Vous comprenez? Parce que ça vient de ce vent-là, de jeûnes et de prières. Remarquez, même lui dans son ministère, il a fait, ça l'a dit, jeûne à 40 jours. Vous comprenez ça? Et quand il était descendu, tout obéissait. Vous voyez? Mais il observait les gens, et il dit, il était tellement élingué, l'ambamina bangelo. Vous comprenez? Mais le lendemain, il a changé son langage. Si vous ne mangez pas mon corps, la parole, si vous ne vivez pas mon sang qui est sanctifié, afin que vous puissiez mourir en soi-même, que le serpent quitte dans votre cœur. Ouais, que moi, la colonne de feu, je descends avec le feu pour brûler les serpents avec tous ses acolytes. La tortue, le crapaud, les chiens, les lions, les paons, tous ces animaux sont en train de citer ici, les abattis, il y a un esprit, il y a des aura préminence, katikatamuto, le diable, la tindaka. Vous comprenez? Donc, sur lui, la colonne de feu, le Saint-Esprit ne descend pas, vous allez voir que non. Ici, vous allez demeurer là-bas, ces esprits-là, et qui m'a monté à prière, on a pris un certain tabarozonga. Et tant que vous avez une popularité, et chaque fois que vous allez à la montagne, vous priez dans des jeûnes avec une vie de sanctification, miracle, mais tous ces miracles-là, on a combiné à Yesu, mais il est azaté. Parce que lui, il a dit que non, il est la parole. Et il est là où deux, trois sont réunis à mon nom. Son nom, c'est la parole. Le livre d'Apocalypse l'en a dit clairement. Et maintenant, quand vous faites la compromis avec cette parole ici, vous êtes mort. Oui, parce qu'il a dit l'âme qui paix, c'est l'âme qui mourra. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est pourquoi nous venons ici, pour que les gens puissent comprendre que c'est le temps que nous puissions parler le langage de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham disait que non, dans ce temps-là, l'épouse du Christ parlera le même langage. Pourquoi les gens n'y arrivent pas? Parce qu'ils ont les yeux fixés et sur leurs organisations, sur leurs temples, et sur tout ce qui est fait des mains d'hommes, alors que le Seigneur avait dit, ils ne vivent pas dans ce qui est fait des mains d'hommes. Alors, lisons les mystères, et puis nous allons lire deux chapitres là-bas, et nous allons terminer. Nous lisons ces mystères que le septième ange, le messager prophète, est venu enseigner pour faire sortir l'épouse du Christ dans tout ce qui est fait des hommes qui égare le créature de son du créateur. Comme nous avons parlé le dimanche passé, que non, ça veut dire les gens ont préféré les dons
que le donataire lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, si nous n'avons pas reçu la révélation de cet esprit, la révélation de ce ministère que nous sommes en train de parler ici, que l'ange de l'Éternel est venu, parce que le diable est l'ennemi de la révélation dans ce temps laquelle que nous vivons. Parce que ce livre de la révélation, ce livre de la rédemption, si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas reçu ça, nos noms ne se trouvent pas dans les livres de vie. Pour que nos noms se trouvent dans les livres de vie, nous devons reconnaître. C'est pourquoi il a dit reconnaître ton jour et son message. Vous comprenez? Et les gens ramènent lui au passé. À cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté ce mystère ici. Alors qu'il avait dit que le Seigneur enverra ses anges. Matthieu 27, 29 à 31. Ils sonneront de la trompette, ils rassembleront les élus aux quatre vents du ciel. Pour faire quoi? Pour connaître les mystères de qui est Christ, afin qu'il puisse revêtir l'image du Christ. Et quand Dieu descend, qu'il puisse descendre dans l'assemblée de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Ce que nous sommes en train de parler ici, ces esprits d'égarement, c'est partout dans toutes les églises qui ont rejeté ce que nous sommes en train de parler. C'est à cause de la popularité, à cause de l'argent. Lisons. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples concernant les mystères dont les sept anges viennent pour mettre vient pour mettre à clair, donc ça veut dire rendre ça manifeste, rendre ça clair, interpréter cela. Écrit dans ce qui est écrit dans la Bible. Vous voyez? Et les gens n'ont pas voulu le recevoir. Il n'y a que peu qui l'ont reçu. Et parmi d'autres, nombreux qui se sont injecté là-bas quand il y avait ce vent-là qui appelait l'épouse du Christ de sortir de toutes les dénominations. Alors le message ne sera jamais suivi. Ce sont des gens qui se suivent eux-mêmes. Vous comprenez? Nous partons, nous lisons. Les mystères du royaume des cieux. Référence biblique, Matthieu 13, 3 à 15. C'est le premier mystère que cet ange, ce septième ange, est venu révéler dans ces temps ici. Mystère de l'aveuglement d'Israël, voyez, pendant les sept âges de l'Église, que nous avons lu en commençant au chapitre 2 de l'Apocalypse jusqu'au chapitre 3. Référence Romains 11, 25 jusqu'à la fin. Voyez. Donc c'est ça, nous avons parlé de ça autrefois ici, en citant ces Romains 11. Mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Des saints vivants, les gens qui ont vu Jésus venir dans la nuée et il s'est incarné dans son prophète et messager et dans tous ceux qui l'ont reçu. Comme autrefois, les prophètes Esaïe, Jean, nous disaient que non, à tous ceux qui l'ont reçu, sont devenus enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, ils aujourd'hui sont des fils de des filles. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de lui l'héritage. Vous voyez? Donc, c'est ça. L'estin vivant. Ils sont donc, c'est la translation, ça veut dire ils sont changés. Donc, ça veut dire c'est ça qu'on appelle la conversion. Et pour devenir des rachetés, des gens nés de la parole, qui sont morts en Christ. C'est pourquoi nous disons que Bakoufate. Et les lois, ils sont ok. Vous comprenez? Ouais, un saint de Dieu, quand il meurt, il rentre. Donc, la mort, pour lui, c'est comme, j'ai oublié le nom d'un saint que Frère Balaam parlait. Donc, quand c'était le temps pour lui qu'il puisse mourir,
Il disait à la mort, tu es venu me prendre pour me transporter de l'autre côté. Vous comprenez cela? Donc, quelle espérance! Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni, parce qu'il était déjà translaté. Il avait déjà changé de forme. Mais les gens, par les yeux humains, lui voyaient toujours regarder sur ses erreurs, regarder sur ses fautes. Mais nous commettons toujours des erreurs et des fautes. Vous comprenez? Mais ces gens-là, qui sont des pécheurs, le Seigneur a déjà tout pris pour eux. C'est pourquoi Paul est venu, il a dit, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui sont-ils? Les gens qui ont reconnu la manifestation du Christ dans ces temps ici. Les gens qui ont fait la différence par leur entendement. Vous voyez? Donc, qui ont reconnu. Voilà. Donc, c'est ça, cette différence-là. C'est ce qui fait en sorte qu'en recevant cela, sans faire la compromis, parce qu'il y a aussi des autres qui l'ont reçu, mais ils ont fait la compromis à cause de la popularité et de l'argent. Vous comprenez? Et ils ont gardé les gens captifs dans des dénominations qui ne veulent pas écouter d'autres choses comme on parlait à la scène, qu'ils voulaient m'amener à me montrer que non, non, moi, tu insistais toujours, frère Branham est déjà mort, il a fait ce qu'il a voulu faire et c'est fini. Mais non, Moïse était mort. Mais Josué parlait toujours. Pendant les âges d'Israël, il parlait toujours de Moïse jusqu'à ce que Jésus est venu. La dispensation a changé. Et mais remarquez même le Seigneur Jésus, quand il était venu, parler aussi de Moïse. Vous comprenez cela? Parce que Moïse était l'ainsi dit l'Éternel. L'ainsi dit l'Éternel, pour eux, c'était cet homme-là. L'ainsi dit l'Éternel, pour les gens d'autrefois, au début, les gens des gentils, par la restauration de l'arbre pousse, c'était Paul. Vous comprenez? Et à la fin ici, c'est William Branham. Vous voyez? Donc, ça veut dire, si nous rejetons ce que ces gens-là nous ont dit, nous tombons complètement et il n'y a rien qui va nous relever. Et la paix va nous quitter. Avançons. Nous avons parlé du mystère de la translation des saints vivants à la fin de cet âge. Référence 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Thessaloniciens 4, 14 à 7. C'est ce que nous avons parlé sur le chapitre de l'enlèvement. Vous voyez, mystère, voilà, mystère de celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps, composé à la fois des juifs et des gentils. Nous avons parlé de ça, vous voyez, ça fait baser de Malachie 4, ce messager qui est venu prendre la foi de Père, c'est-à-dire la foi apostolique, ramener ça vers nous, les gens des gentils, vous comprenez, pour faire sortir ces gens des gentils de toute dénomination, fait de main d'homme, vous comprenez, là où le diable a son foutoir, vous comprenez, donc cela veut dire, à Malibu, là où il est le chef, il est le tout, il a la prééminence, il a tout pour leur faire sortir de cette église, cet âge mauvais, Laodicée, ouais, et pour les ramener dans l'âge de l'épouse. Ouais, donc cela veut dire, et c'est lui-même aussi, dans Malachie chapitre 3, qui dit qu'il prendra la foi des enfants pour les ramener encore vers le Père. Ouais, c'est l'Israël, c'est ce mystère, ce mystère de celui de l'Église du Nouveau Testament formant un seul corps composé à la fois des juifs et des gentils. Malachie chapitre 4, nous en avons son rôle qu'il est venu faire. Mais des références ici dont nous avons Éphésiens chapitre 3, 1 à 11, Romains chapitre 16, 25, Éphésiens chapitre 6, 19, Colossiens 4, verset 3. Passons ici, mystère de celui de l'Église en tant qu'épouse. Éphésiens chapitre 5, 28 à 32. Nous avançons. Mystère de celui du Christ vivant, étant le même hier, aujourd'hui et éternellement. Galates 2, 20, Hébreux 13, 8. Que le nom de l'Éternel notre Dieu soit béni encore d'autres écritures. Avançons. Mystère de celui de Dieu, soit de Christ. Soit de Christ, oh, qu'est-ce que j'avais écrit ici? Ah, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité, en qui toute chose, en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Est-ce que je peux relire ça encore?
mystère de celui de Dieu, soit de Christ, en tant que plénitude incarnée de la divinité en qui toute la sagesse divine et la divinité sont restaurées dans l'homme. Vous avez vu ce que nous avons dit? Et si nous recevons, nous avons la foi de recevoir ce ministère et de comprendre cela, c'est ici que nos noms se retrouvent dans les livres de vie. Et quand nous nous ressemblons, nous formons le corps du Christ. C'est ici que nous pouvons dire que nous nous parlons dans l'assemblée de Dieu. Là où Dieu se tient. Référence. On a parlé de ça ici. Il y en a encore beaucoup à parler ici. Donc, restaurer dans l'homme. Et c'est pourquoi nous avons vu ça dans son prophète. La plénitude de la divinité de Jésus-Christ. Dans William Branham. Dans un frère Intel. Dans l'autre frère là. Dans l'autre serviteur de Dieu là. Dans cette fille de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est ce que frère Branham nous avait dit. Référence. Matthieu 24, 29 à 35. Luc 17, 30. Révélation, c'est Apocalypse 10, 1 à 7. Voilà, les références bibliques sont là. Mystère de l'iniquité, amen. Mystère de l'iniquité mentionné dans des Thessaloniciens, etc. J'avais écrit ça simplement comme ça. Mystère de l'iniquité mentionné dans des Thessaloniciens, vous voyez. Donc, à cause du temps, on avance. Mystère des sept étoiles d'Apocalypse. Référence, Apocalypse chapitre 1 à 20. Le mystère des sept étoiles. Mystère de la Babylone, la grande prostituée de l'Apocalypse. C'est Apocalypse chapitre 17, versets 5 à 7. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Vous comprenez les choses dont nous sommes venus écouter ce soir, les choses que nos âmes ont besoin d'écouter, de comprendre, de recevoir, de devenir, vous comprenez, de cohabiter, d'hériter. Est-ce que vous comprenez? D'être béni, c'est ça, les richesses insondables pour nos âmes. Sans cela, c'est absolument rien. C'est ce que nous avons compris aujourd'hui, les gens ont vendu leurs droits d'aînesse comme l'histoire que vous connaissez d'Ésaü et de Jacob, mais le Seigneur, par l'entremise de son saint prophète, n'a pas voulu que nous puissions vendre nos droits d'aînesse. C'est pourquoi ils nous ont envoyé ce mystère ici, que nous puissions recevoir et comprendre cela, que cela puisse changer notre entendement, notre façon de croire, que nous puissions avoir une nouvelle perception des choses pour arriver à la perfection, que Dieu puisse se tenir quand nous nous réunissons. Vous comprenez? Donc, nous devons être comme Naboth. Nous allons lire ça le dimanche prochain, qui n'a pas voulu vendre son droit d'aînesse à Achab, le roi de Shu, qui s'était marié avec Jézabel. Ouais. Donc, c'est l'état actuel de ce monde ici, que nous avons vu que les églises se sont mariées avec cette femme Jézabelite, le mystère de la grande Babylone. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est ce que le Seigneur est venu nous parler. Et ce soir ici. Et maintenant, vous qui ne veulent pas écouter, vous êtes dit que non, nous sommes ici. Voilà mon chef spirituel, mon père spirituel, ainsi de suite. Sachez-le, le Seigneur a déjà dit ici. Vous voyez? Mais nous, nous venons pour essayer d'insister. Ceux qui peuvent écouter, gloire à Dieu. Ceux qui rejettent, que le Seigneur vous bénisse. Vous comprenez? Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 12. Alors, jusqu'au verset 19, nous lisons rapidement parce que nous allons lire les Écritures et terminer. Les Syriens, non, ça c'est 11, 10, allons directement à 10. Le peuple ne revient pas à celui qui les frappe. Donc ça veut dire Dieu permet certains malheurs pour nous ramener. Vous comprenez? Enfin que nous puissions comprendre que nous avons mal cru, mal compris, mal conduit, ainsi de suite. Mais remarquez ce que le prophète dit ici, parce que c'était autrefois, et l'histoire très souvent, elle se répète. Souvenez-vous,
Et l'ogo et l'obamara toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Donc ça veut dire, il y a six exacts. Oh, nous sommes tous mono et c'est le cas et c'est salama. Nous en démaillé. Avançons. Le peuple ne revient pas à celui qui les frappe. Et il ne cherche pas l'Éternel des armées. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue. La branche des palmiers et le roseau. En un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Ceux qui conduisent ce peuple l'égare. Et ceux qui se laissent conduire se perdent. Gaite, ma komi. Bako bako mema, bako egare bino. Bako pe bazo mitika. Baza la conduit lo lenge wana, et si go zo mona ma komi, et zo limbo la ma be. Révélation oyo bangi sara mouini satana ezate. Na tango to obika et logo kaka satana lingate la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là où qu'il est dévoilé. Kunande motakala na emona. Sa nudité se montre claire. Avançons. Nous sommes dans verset 15. Ceux qui conduisent ce peuple l'égare, et ceux qui se laissent conduire se perdent. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leur jeune homme, ni avoir pitié de leur orphelin et de leur veuve, car tous sont des impies et des méchants. Et toutes le bouche profère des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue, car la méchanceté consume par le feu qui dévore ronces et épines. Il embrasse l'épaisseur de la forêt, d'où s'élèvent des colonnes de fumée. Par la colère de l'Éternel, désarmé, le pays est embrasé, et le peuple et comme la proie du feu, nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. Et on dévore à gauche et l'on n'est pas rassasé. Chacun dévore la chair de son bras. Est-ce que vous comprenez ce que disent les Écritures là-bas? C'est ce qui se passe même dans nos politiques. Vous comprenez? Même dans nos politiques. Ça fait très mal. Les Écritures en parlent ici. Il n'y a rien, comme dit le saint prophète. Est-ce que un grand parti politique comme l'UDPS avait vraiment besoin? Laisse-moi poser cette question ici. Parce que quand on voit des choses qui se passent, et ça la passe. Les gens, parce que nous avons commencé à parler tout au début ici, c'est quoi? Chercher à entrer dans des organisations, dans des sectes, dans des loges, dans toutes ces choses-là, ils feront en sorte que si vous ne faisiez pas partie de ces groupes-là, sachez-le que vous allez souffrir. Ils prendront que les gens qui font partie de leurs organisations, qui ont rejeté Dieu complètement. Vous allez voir dans les jours à venir ici, ce qui va arriver à l'Amérique, et même ils disent ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté Dieu, surtout avec l'arrivée de cet homme qui est là-bas. Vous comprenez? Ils ont vraiment, donc cela veut dire fouler aux pieds les insidies de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Nous avons vu ce qui s'est passé au stade hier. Dans ce même stade, nous avons vu notre cher président que nous aimons beaucoup. Nous vous aimons, sincèrement. Parce que vous avez commencé avec les Écritures. Ce jour-là, avec votre chemise blanche, vous êtes tenu là-bas, dans ce même stade, avec ce livre ouvert. Vous avez pris les saintes écritures de Dieu, vous avez pris les pays, vous vous êtes répandu, vous avez demandé du pardon à l'Éternel notre Dieu. Vous avez consacré les pays à Dieu. Les gens ne s'attendaient pas à ça. Cher Félix, des livres des actes. Mais ces coalitions-là, ça commence avec le MPR.
ces histoires-là qu'on appelle aujourd'hui, on ne change que des mots. Et ça devient quoi? Un endroit, un rassemblement de vautours, des oiseaux impurs qui viennent là-bas des différentes organisations. Vous comprenez que nous venons de citer ici. Et parmi ces organisations, presque à 99% se sont contrôlés par les diables lui-même. Et l'objectif de ça, c'est Apocalypse chapitre 17, que nous voulons lire maintenant ici, Apocalypse chapitre 18. Remarquez au temps du prophète Akab, comme nous avons cité ici, Élie le prophète n'a pas voulu subscrire à cela, mais le peuple, ils étaient là derrière ça. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Vous comprenez? Après avoir lui donné les pays, vous vous êtes rassemblés avec le vautour. Qu'est-ce que les vautours vont faire? Chacun va amener ce qu'il possède, ce qu'il a pris à la main du malin. Et ça va former quoi? La figure d'un monstre. Vous comprenez? Là où on élève la femme, vous comprenez, à la même place que l'homme, alors que Dieu honore la femme, mais il a dit que l'homme devait être ici et la femme ici. C'est ce qu'il a dit dans Genèse chapitre 3. Vous comprenez, mais ici, on a dit, nous sommes tous égaux. Oui, alors que si on dit qu'on est tous égaux, cela veut dire qu'on a enlevé l'honneur que Dieu a donné à la femme. Parce que le libre arbitre à l'être femme, c'est détruire la nation, c'est détruire la société. Vous comprenez? Détruire des familles. Et c'est ce qui se passe avec des divorces et toutes ces choses que nous voyons ici. Pourquoi? Quand on bafoue les insidies de l'Éternel qui a créé cieux et la terre, les conséquences, c'est ce que nous venons de lire ici. Vous comprenez? Et ce qui va s'arriver là-bas, ce n'est que les gens. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Avoir des opportunités pour s'enrichir de plus et voir ce peuple pauvre, mais derrière vous, qui étiez venu avec l'insidie de l'Éternel. Vous avez consacré le pays à l'Éternel. Vous comprenez? Ces histoires-là ont commencé depuis un PR. Oui. Le président qui vient de nous quitter ici, il avait fait ça avec son père des FCC. La suite, c'était quoi? Nous tous, nous connaissons l'histoire. C'est juste récent ici. Et c'est l'histoire ici. Bon, je ne sais pas. Donc, on a beaucoup à parler là-bas. Bref, ces grands partis politiques, vous ne pouvez pas chercher à avoir vraiment beaucoup des appuis et chercher à avoir des oiseaux impurs tout autour de lui. Et quand ces gens-là amènent ce qu'ils ont possédé par-ci, par-là, la suite, c'est ce qui s'était passé autrefois. Vous comprenez? Ces histoires-là ont commencé avec les Blancs, ça veut dire des loges, mais comment est-ce qu'avec ces mêmes loges, chez eux, ils sont bien, il y a du travail, il y a des investissements, il y a tout ça, il y a des inventions, il y a des systèmes de crédit social qui donne l'équilibre de l'économie du pays. Vous voyez, il n'y a pas l'inflation. Qu'est-ce qui provoque l'inflation? C'est quand les gens prennent des cash, gardent ça dans des maisons. Et l'argent qu'ils gardent, ce n'est pas des francs congolais, mais des dollars, des euros. Vous comprenez? C'est ce qui crée la pauvreté. Et les gens souscrivent à cela. Il y a beaucoup d'adorateurs derrière des réseaux sociaux, de télévision, ainsi de suite. Mais nous venons pour vous rappeler, souvenez-vous, chef, de l'ainsi dit l'Éternel, que vous avez pris sur ce même stade. Car l'Éternel parle toujours dans la simplicité. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voulais lire Apocalypse chapitre 17, 18 et continuer, mais à cause du temps, nous nous arrêtons ici, que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous, vous qui aimez le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Sachez-le que nous ne venons pas ici pour chercher à faire un nom ou pour avoir un renommé. D'abord, nous n'avons pas un bon français. Quand on parle ici, quand ma petite, ma belle Katumba, quand elle m'écoute, parler de « Oh, le voilà parti !» avec mes « là », « le », ainsi de suite, vous comprenez. Donc, je ne suis pas français, je suis africain. Donc, voilà. Je ne suis pas belge, je suis africain. Donc, cela veut dire qu'on se débrouille. Voilà. Donc, ça veut dire eux-mêmes, d'abord, ils sont contents. Tant que vous avez tout le monde, on a bango. Donc, vous avez tout le monde, vous comprenez? Donc, cela veut dire c'est ça. Ouais. Donc, yombe. Et la bête intendo, donc voilà. Vous comprenez? Donc ça veut dire, tant on a commis la wish, tant on a continué dans le Congo, donc cela veut dire, na Congo. Vous voyez? Donc c'est ça. Parce que je suis africain. Donc je suis fier quand j'attends les Zoulous et les autres parlent dans leur langue. S'ils communiquent en anglais, on est comme ma famille administration. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Bon dimanche chez vous. Attention à l'idolâtrie. Ça tue et ça égare le créature à leur créateur. Et nous avons vu l'idolâtrie est entrée complètement dans des églises. Vous comprenez? Dans des maisons qu'on appelle les maisons de Dieu. Et ça a pris la prééminence et les gens sont devenus des adorateurs de créatures au lieu du Créateur seul. Souvenez-vous que l'Éternel a dit, il ne partage pas sa gloire avec qui quoi que ce soit. Mais les diables d'eux sont dit, il a dit, nous avons lu ça ici, dans les livres d'Ésaïe. Vous comprenez? Il a dit, il régnera. Qui régnera? C'est le diable. Et il est en train de régner. Alors faites attention. Et les gens adoré déjà. Donc ça veut dire, tu es déjà dans l'idolâtrie. Tu es déjà éloigné de Dieu. Aujourd'hui, les gens adorent les vedettes de cinéma, les politiciens. Vous comprenez? C'est ce que le diable a promis aux gens. Les gens aujourd'hui adorent les vedettes de la musique. Les gens aujourd'hui adorent les vedettes de théâtre. Vous comprenez? Des sports, vous voyez? Ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de ces sujets ici pour que nous puissions prendre position à la parole. C'est pourquoi quand nous rejetons la révélation, nous sommes des idolâtres. Koboya yangote, okokende. Le Seigneur Jésus avait dit dans ce temps-là, la séduction et vos alamas kasi. Quelle est la séduction? Ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, et bandina yete, bandina spirituel. Oyo moni wana, ezana ngokaka. Donc cela veut dire, oyo ezana molimo, yangwana ndi mwana mwa chona manifesté la chair. Que Dieu vous bénisse richement, nous arrêtons ici. Shalom, la paix du Seigneur, dans sa parole, lui, le grand Melchizedek, le roi de Salem, nous accorde sa paix dans ces temps difficiles que nous traversons. Shalom, que Dieu vous bénisse richement, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés. May God bless you, lovely, hallelujah, amen.